En 2005, on a vu le retour d'un héros du Festival de jazz, Pat Metheny, qui nous avait un peu négligé dans les années précédentes. Là, il est revenu avec vengeance. Il a fait, je pense, 5 ou 6 concerts. Un au Spectrum qui a duré plusieurs heures, je pense 4 ou 5 heures. Il avait aussi joué au Jésus avec Dewey Redman, donc dans des salles de diverses capacités. Et à la fin, il avait présenté le dernier spectacle de la tournée de Way Up Tour, basé sur son dernier disque, sur la grande scène à l'extérieur. Donc on avait vu beaucoup de Pat. C'était un peu la série Invitation, mais qui se déplaçait sur plusieurs salles. C'était très bien. Et la première partie de la série Invitation, par contre, ça c'était vraiment un moment magique pour moi, un musicien que j'adore, Zakir Hussain. Grand tablaïste indien, qu'on avait vu se manifester avec John McLaughlin dès les années 70 dans la première formation Shakti. Alors, sur 5 soirs, Zakir avait offert des concerts très différents, très diversifiés, parce que c'est un musicien très complet. Mais on avait vu aussi à quel point un percussionniste comme lui peut faire de la musique avec les percussions. Il peut faire moduler les sons des percussions et carrément faire des mélodies et tout. Donc, la maîtrise avec laquelle il avait fait cette démonstration, mais en même temps, cette espèce de bonhomie, de sourire tout le temps, comme le chat qui vient d'avaler son petit poisson. Moi, c'est un musicien que je trouve fantastique. Il m'a donné une paire de tableaux, d'ailleurs. Je joue d'aucun instrument et je les regarde toujours de façon très respectueuse. Je me demande si j'aurai un jour la patience d'apprendre à jouer comme lui. Je pense pas que ça va arriver. J'aurais besoin de 3-4 autres vies pour avoir ce genre de talent, je pense. La programmatrice du Festival de jazz, Joanne Bougie, me dit une journée, « Qu'est-ce que tu dirais si on faisait Polanka? » J'avais un peu peine à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Polanka au Festival de jazz, parce que pour moi, Polanka est un des grands auteurs de la chanson populaire canadienne et tout. Mais elle me dit, « Ah, il a fait un projet assez intéressant où il prend des pièces populaires des 25 dernières années et il les fait dans un contexte swing. » C'est une joke qui a été souvent essayée. Il y avait même un chanteur australien qui s'appelait Frank Bennett, dont j'avais donné le disque à Tony Bennett, qui se prenait un peu pour Tony aussi. Mais enfin, on reçoit le disque de Polanka. Et je vois qu'effectivement, il avait choisi ses chansons de façon assez scientifique. Il s'était servi du Billboard carrément pour voir les chansons qui avaient le plus marché dans les 25 dernières années, chansons de rock. Et l'adaptation au swing, bon, j'écoute It's My Life de Bon Jovi, Eyes Without a Face de Billy Idol. Tout. Et c'était vraiment très réussi, c'était très bien fait. C'était fait avec goût, c'était pas une farce. C'était vraiment bien fait. Donc, je me suis dit, ah ben ouais, ça devient plausible à ce moment-là. Il a fallu me vendre un peu parce que j'ai vraiment dit sur le premier moment où on m'en a parlé, Over My Dead Body. Je l'ai dit en anglais comme ça. Et finalement, ça s'est avéré être un des très bons concerts de cette année-là. Polanka avait vraiment joué le jeu, il avait adapté ses hits populaires à la sauce Big Band et tout. Bon, il se prenait pour Frank, on sait qu'il y a un grand complexe Sinatra dans Polanka depuis toujours. Alors, ça avait donné quelque chose de, ma foi, très pertinent. Et c'est devenu une émission de télévision, c'est devenu un DVD. C'est quelque chose qui a eu beaucoup de répercussions, finalement. Et pour Polanka aussi. Lui était très honoré d'être reçu par le Festival de jazz. Et moi, de voir cet homme... on m'en avait parlé, Renan Gélil, entre autres, m'avait raconté comment Polanka pouvait être assez vendeur de sa personne et tout. Donc, j'avais vu le phénomène de proche. C'était tout ce qu'on m'avait dit, mais on avait oublié de me mentionner le talent aussi. C'est un chanteur de très grand talent.